Diabeticom est une société qui fabrique des chips santé, healthy snacking en anglais, qui sont obtenus par un procédé de cuisson qui est différent du procédé classique de friture des patates. Le gros avantage, c'est que nos chips, en produit fini, possèdent environ 10% de matière grasse, comparativement à ces chips classiques qui vont jusqu'à 30-35% de matière grasse. Ça nous permet de nous différencier et d'amener un chips qu'on appelle guilt free, pour lequel on ne se sent pas coupable de manger parce que c'est voilà, y a pas de mal, ce sont que des bons ingrédients, que des bons produits, une bonne étiquette nutritionnelle. Et voilà, ça attire le consommateur vers ce chips santé qui est de plus en plus tendance, manger sain, manger bon sur le marché actuel. Et c'est là que nous nous situons aujourd'hui. Alors, nous possédons à peu près une centaine de produits différents. Nous travaillons uniquement en ce qu'on appelle le private label, donc nous n'avons pas notre propre marque. Nous faisons des produits à façon pour nos clients, partout en Europe, certains en Moyen-Orient et même aux États-Unis. Et donc, pour eux, nous développons des recettes vraiment sur mesure, ceux qui ont besoin en fonction de leur demande. Alors il y a deux parties dans la fabrication de ces chips. La première partie, ça va être la fabrication du chips, où nous, on va mélanger différents pelets et différents légumes pour faire un chips. Et ensuite, sur ce chips, on va venir appliquer de l'huile et de l'épice pour fabriquer vraiment le chips voulu par le client. Il y a tout un process plein de bases différentes de chips où on va mélanger du soja, de la patate, du pois chiche, du pois, de l'haricot noir, de la lentille, on a même des produits bio développés autour de la lentille. Et ça nous permet de faire une gamme de produits très variés parce que sur chacun de ces chips, on va pouvoir mettre du paprika, du barbecue, du crème oignon, du sel. Il y en a là-dessus un grand portefeuille de produits différents et qu'on envoie aujourd'hui partout en Europe et jusqu'aux États-Unis. C'est un procédé complètement différent de la friture classique. C'est un procédé qu'on va peut-être apparenter au popcorn, c'est le plus facile à imaginer. Donc on a tous nos ingrédients qui possèdent de l'eau et on va presser ces ingrédients et les chauffer pour faire transformer cette eau en vapeur. Et au moment où la machine va se réouvrir, il va y avoir explosion de la vapeur et tous les ingrédients vont fusionner ensemble pour faire d'abord une galette de riz que nous on va recompresser plusieurs fois pour lui donner la forme et la croustillance des chips. Et c'est un procédé relativement simple mais qu'il faut arriver à maîtriser. Il y a du nettoyage de machine et du paramétrage de machine pour arriver à avoir toujours le bon produit et d'avoir une production consciente. Alors nos clients, historiquement, on était très fort situés sur des marchés de niche, donc diététique sportive, diététique riche en protéines. On avait des produits, des chips qu'on arrivait à atteindre, on les a toujours aujourd'hui, des 40% de protéines. Low carb, qui est aussi une tendance aujourd'hui d'avoir le minimum de glucides dans les chips. Et on avait quelques petits clients comme ça, des plus petits volumes, mais qui fonctionnaient bien dans certains pays. Et depuis à peu près un an et demi, on se dirige plus vers le mainstream, les produits mainstream, donc les grandes surfaces. Certains de nos produits sont aujourd'hui au Walmart. On a un produit qui est chez le leader de snacks en Suisse. On s'implante dans les grandes surfaces en Allemagne. Et on a un gros partenaire de diététique sportive, de diététique riche en protéines aux États-Unis par exemple. La société s'appelle Diabeticom pour une bonne raison, c'est-à-dire que le père du general manager actuel, Ali Lechem, donc son père Amnon Lechem, était un entrepreneur qui était lui-même diabétique. Et alors il s'était mis dans l'idée de créer sa propre marque remplie de produits destinés aux personnes diabétiques. Il avait créé la marque qui était la marque Nutralia. Voilà, il y avait toute une gamme de produits et dans cette gamme de produits, il y avait ces fameux Pop Chips qui fonctionnait relativement bien. Et puis de fil en aiguille, ils se sont dit on va réduire ces produits de trade à la marque et on va se concentrer uniquement sur ces chips. Et là, ils ont acheté la première ligne de fabrication ici de l'entreprise. Cette idée du Pop Chips et du Chips Santé est arrivée petit à petit en Europe et nous nous sommes liés il y a 3 ans avec un partenaire américain qui est le leader mondial sur cette technologie du Pop Chips.
qui nous a apporté des nouvelles machines, qui nous a permis de faire des meilleurs produits, encore plus dans l'idée du healthy snacking, et qui nous ont permis aujourd'hui d'intégrer les grandes surfaces, d'arriver plus vers le consommateur en général, et qui aujourd'hui a fait une grosse différence pour l'usine. Nos volumes augmentent et l'usine est en pleine croissance et on se porte très bien. Donc aujourd'hui nous sommes à peu près une 50 et 60 personnes, je dirais, pour deux lignes de production. Mais comme j'ai dit, on se porte très bien. Donc nous avons un plan qui a été lancé d'agrandissement de l'usine pour passer à 4 lignes de production et des lignes de production plus grandes. Donc en vérité, notre productivité devrait, on va dire, quadrupler d'ici 2 ans. Donc on va avoir besoin d'engager, on va avoir besoin de personnes qualifiées et nous engageons dans plusieurs domaines. Donc déjà, la ligne principalement est décomposée en 4 étapes. Une étape de mixage où on va préparer le mix qui va être transformé en chips. L'étape de cuisson où là c'est vraiment faire cuire les chips. Puis on va avoir une étape de le seasoning où on pourra rajouter l'huile et les épices sur les chips. Et puis on va avoir l'étape d'emballage où on va avoir besoin de gens qui comprennent très vite la machine et qui vont pouvoir la maîtriser pour la paramétrer et augmenter le rendement. Ça c'est vraiment pour ce qui est lié directement à la production. On est aussi en train de rechercher énormément d'électromécaniciens, de mécaniciens, d'électriciens pour nous aider à maintenir l'usine dans un bon niveau de productivité et que toutes les machines soient dans un bon état. Et alors sur le côté, on continue, on va s'agrandir, on va avoir besoin de magasiniers, on va avoir besoin même de quality controllers, de gens sur le terrain, surtout les shifts. Et alors, au-dessus de tout ça, au-dessus de la production, on a un responsable d'équipe qui lui va devoir gérer un peu tout ce personnel et le faire travailler de façon optimale. Et là encore aujourd'hui, on en a quelques-uns, mais on a la recherche de profils intéressants qui vont pouvoir nous aider à maîtriser la production en général et nous rendre plus efficaces.